Bonjour, je m'appelle Éric Collet, je suis professeur à l'Institut de physique de Rennes où j'étudie les transformations ultra rapides des propriétés des matériaux par la lumière. Récemment, j'ai mis en place des actions de vulgarisation auprès des jeunes et je me suis servi du badminton comme exemple de la mise en place d'une démarche scientifique où on observe un phénomène, on échafaude des hypothèses, on met en place un protocole expérimental, on analyse les données pour conclure ici qu'il existe une différence entre droitier et gaucher. Ces résultats ont été publiés dans une revue scientifique et ont même eu un certain écho puisqu'ils ont été repris par la Fédération mondiale de badminton. Le but de mon action est d'attirer les jeunes vers les sciences et de montrer que l'on a besoin d'eux pour relever les futurs défis sociétaux.